Aujourd'hui, on va parler de plantation de murs et de façades végétalisées avec donc Mathieu qui fait partie de l'association des espèces par million. Quant à moi, je vais me présenter pour ceux qui peut-être arrivent pour la première fois sur ces webinaires J'agis, je plante. Donc, je suis Élodie Lenoir et je suis responsable des campagnes de mobilisation citoyenne au sein de la Fondation pour la nature et l'homme. Je dis bonjour à tous ceux que je vois là. Je vois Thierry, je vois Céline. On a commencé à avoir des habitués. Merci à tous d'être là. Et donc, pour rattraper ce petit retard, je vais aller vite et je vais tout de suite prendre la main pour vous présenter un petit peu ce dispositif qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle J'agis, je plante. Et donc, l'association dont fait partie Mathieu est partenaire. Et hop, je repartage mon écran. Hop. Du coup, J'agis, je plante. J'agis, je plante, c'est un dispositif que nous avons lancé l'année dernière. Il fait partie d'un des dispositifs de nos programmes d'action qui en compte cinq aujourd'hui au sein de la Fondation. On travaille sur cinq cœurs de métier presque. Donc l'agriculture sans pesticides, l'élevage local et écologique, la restauration collective et la mobilité décarbonée. Et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est ce programme qui s'appelle Agir pour une biodiversité préservée. Ce programme, il est construit sur deux leviers qui sont pour nous totalement complémentaires et j'espère que ça fera écho aussi pour vous. C'est un, comment on va travailler sur cette question qui est comment arrêter de détruire. Et sur ce thème, donc, nous travaillons avec des experts sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Et donc, on a une action plutôt envers les décideurs politiques sur cette question-là. Et à côté de ce premier levier, on agit aussi au niveau, cette fois-ci, plus du grand public. Et l'idée, c'est comment proposer, comment trouver des solutions, des dispositifs qui puissent faire en sorte que chaque citoyen, à son niveau, puisse agir pour préserver la biodiversité qui nous entoure. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons créé le dispositif J'agis, je plante, avec pour ambition de créer un élan citoyen Alors, j'ai Mathieu, ça fait un peu écho. Si tu peux juste couper, voilà. Couper peut-être ton son. On a vraiment des problèmes de son aujourd'hui. Voilà, donc replanter massivement dans tout notre lieu de vie. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de monde. Et c'est pourquoi on vous réunit aussi aujourd'hui pour que l'impact sur cet enjeu majeur et l'impact soit à la hauteur de l'objectif. Donc avec J'agis, je plante. On va tenter de réveiller le planteur qui sommeille en chacun de vous, en chacun de nous. On va tenter de démontrer via ce dispositif et via un autre dispositif que je vais vous présenter tout à l'heure que nous tous, grâce à ce geste simple qu'est la plantation, qui est aussi un geste ludique, intergénérationnel, etc., eh bien, on peut devenir acteur de la préservation de la biodiversité. Pas besoin d'être un botaniste, un naturaliste. Chacun à notre niveau, on peut mettre notre pierre à l'édifice. Et comment on va faire à travers ce dispositif? Eh bien, on va essayer de rendre chacun autonome pour créer des chantiers de plantation, bien sûr, au sein des espaces privés. On sait que la plupart des espaces aujourd'hui, 90 ou 95% des espaces à végétaliser aujourd'hui, sont quand même dans des espaces privés. Donc, il y a des choses à faire au sein son propre terrain, mais aussi comment on va aller végétaliser au sein de sa commune, sur les friches, les trottoirs, dans sa copropriété, au-delà de tout ça, dans les cours d'école et pourquoi pas autour de son terrain de sport. Donc, on va essayer de rendre tout le monde autonome et pour vous aider du coup à lancer votre propre chantier de plantation, on va vous outiller, vous accompagner. Et là, on a mis en place un site internet. Bien sûr, il y a Léna dans le chat avec nous qui va vous mettre tous les liens utiles pour aller voir ce qu'on vous propose. Il y a donc sur notre site qui s'appelle jagijeplante.org une espèce de boîte à outils gigantesque
avec notamment des kits qui sont, et tous ces outils, je le répète, sont mis à disposition à titre gracieux. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à télécharger ou à visionner ce qu'on vous propose. Donc, des kits qui sont gratuits, qui sont sur mesure en fonction que vous soyez un particulier, que vous souhaitiez planter en famille, entre amis, avec vos voisins, que vous soyez un acteur de l'éducation. Et là, vous allez trouver des outils un petit peu plus en adéquation avec vos problématiques pour végétaliser la cour d'école, ou que vous soyez des sportifs. C'est un secteur qu'on a tenté de mobiliser cette année, parce que vous êtes au cœur des territoires, vous êtes les premiers, si vous êtes, je ne sais pas, parmi nos auditeurs aujourd'hui, s'il y a des sportifs, des licenciés de clubs, des gens qui pratiquent le footing, la rando, etc., vous êtes les premiers à profiter de cette nature, voilà, dans votre pratique au quotidien. Et donc, on tente de mobiliser les clubs, associations, etc., dans cette action de végétalisation au long cours. Et donc, ces kits, voilà, ils sont gratuits, des livres pratiques sur les plantations, quelles essences planter, mais on va y revenir en ce qui concerne les murs végétalisés longuement avec Mathieu, des cahiers pratiques, des posters pour recruter, mobiliser autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à les télécharger tout ça. Ensuite, on vous propose, et c'est totalement complémentaire là aussi, des tutos vidéo. Là, vous avez 2h30 de contenu avec des pastilles vidéo qui sont ludiques et dynamiques. On a voulu des choses, voilà, qui ne soient pas trop institutionnalisées ou trop, comment dirais-je, qui vous rappellent trop l'école. Donc, du coup, ça dure d'une à 5 minutes. C'est des choses que vous pouvez vraiment consommer facilement. Dans les transports, dans une salle d'attente. Elles ont été construites avec 5 associations partenaires et de cœur avec lesquelles nous travaillons et qui ont animé chacun des webinaires que vous retrouverez d'ailleurs en replay sur YouTube. Et donc, vous retrouverez avec les cheveux beaucoup plus courts d'ailleurs, Mathieu sur la formation qui vous parlera de murs végétalisés. Et vraiment, c'est des modules qui là aussi sont adaptés de 7 à 77 ans. N'hésitez pas, vous aurez des conseils, des astuces de pro, que vous soyez un pro de l'appel ou pas, vous y trouverez votre bonheur, c'est sûr. Et du coup, cette plantation, elle s'intéresse à 4 types de végétalisation qu'on a choisi en fonction de leur utilité, de leur impact concret sur le retour de la biodiversité. Et donc, nous avons sélectionné la mini-forêt, le bosquet comestible, la haie bocagère, évidemment, et bien sûr, le mur végétalisé dont on va parler dans maintenant 2 ou 3 minutes. Maintenant quand vous aurez récupéré tous ces outils, que vous vous serez sensibilisé, formé et que vous aurez assimilé toutes ces étapes pour créer un chantier de plantation qui dure, on vous propose donc de relever le défi J'agis, je plante avec nous et cet hiver d'organiser votre propre chantier. Donc pour ça, voilà les étapes qu'on vous propose de suivre. La première, vous avez compris. La deuxième, elle résume ce que j'ai dit également. Vous choisissez votre type de plantation. La troisième, elle va de soi, mais vous avez le droit de planter en solo. Mais si on peut mobiliser autour de soi, ça a quand même quelque chose de plus fort et de plus engageant. Surtout qu'une plantation, c'est une action qui dure. Et le point 5, on en reparlera, mais il ne s'agit pas de venir planter et de partir ensuite. Donc, il y aura de l'entretien. C'est un projet au long cours. Donc, mobiliser autour de soi, ça va sans doute vous aider. Le petit 4, eh bien, on vous demande bien sûr de planter cet hiver. Le 25 novembre, c'est bientôt, c'est la Sainte-Catherine. Si vous êtes de bons jardiniers, vous connaissez le dicton. Donc, on lance notre top départ du défi dès le 25 novembre. Vous avez jusqu'en mars, bien sûr, et peut-être un petit peu plus longtemps en fonction d'où vous habitez, voilà, pour planter. Et puis, on va vous demander de nous partager ce que vous faites. On a vraiment envie, nous, de valoriser les chantiers qui sont mis en place partout en France. Et donc, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui sont suivis. Et si vous utilisez le hashtag J'agis, je plante, si vous taguez notre fondation, @fondationnh, eh bien, on partagera tout ça sur nos réseaux. Ça nous ferait vraiment plaisir de voir que, voilà, la France se mobilise, les citoyens agissent et plantent à leur niveau. Donc voilà, si vous voulez bien participer à cet écho
de J'agis, je plante. On serait vraiment ravis de relayer tout ça. Enfin, on vous demandera en étape 5 à la fin de l'hiver de nous dire un petit peu comment s'est passée votre action de plantation. Voilà, combien de gens vous avez réunis, combien de plants vous avez mis en terre. C'est toujours dans la même optique de se dire, ben voilà, plus on sera nombreux, plus les chiffres seront parlants et plus on aura d'écho et mieux on sera entendu sur notre action. Et enfin, donc, sans me répéter, bien sûr, prendre soin de votre plantation et très vite observer le retour de la biodiversité. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous. Bien sûr, peut-être que certains d'entre vous n'auront pas le temps ou la possibilité d'organiser un chantier de plantation cette année, mais on a des associations comme des espèces par million, par exemple, qui sont partout sur les territoires en France et qui, eux, voilà, sont des forces de frappe importantes et organisent des chantiers de plantation cet hiver. Et on a une plateforme qui est là pour vous mettre en contact avec ce type de structures qui sont à la recherche de bras pour aller planter. Ça s'appelle, pardon, du coup, j'agis-pour-la-nature.org. J'allais redire j'agis, je plante. J'agis-pour-la-nature.org. Léna va vous mettre la petite URL dans le chat. Et donc, dès cet hiver, vous allez trouver aux quatre coins de la France des actions de plantation, mais vous pouvez aussi tout au long de l'année continuer à vous connecter. Il y a des activités qui sont proposées, par exemple, pendant l'hiver aussi sur des restaurations de zones humides, de création de mares. Tout au long de l'année, vous pouvez aussi aider des centres de soins de la faune sauvage ou participer à des actions de sciences participatives, d'observation de la biodiversité ou d'un espace naturel qui va vous émerveiller. Donc, n'hésitez pas à vous connecter vraiment. Et là encore, toujours dans l'idée de se dire, on peut tous agir. C'est ouvert de 7 à 77 ans. Pas besoin d'être un expert. Vous pouvez participer à votre niveau quelques heures, une journée, un week-end. Vraiment, je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide. J'espère que j'ai été à peu près claire. Je vais maintenant passer très vite la parole à Mathieu pour qu'on ait le temps de questions-réponses, même si j'imagine qu'il va répondre à beaucoup de vos questions à l'avance. Mathieu, je te laisse prendre la parole. J'espère qu'on a le son. Hop. Je fais une petite demande de son. Non, mais vraiment, aujourd'hui, le son, c'est un. Est-ce que vous m'entendez désormais? On t'entend, Mathieu. Ok, super. Eh bien, écoute, Elodie, si tu peux avancer à la slide suivante. Tout à fait. Alors, nous, on est une association naturaliste spécialisée en fait sur le milieu urbain. Donc, je suis moi-même naturaliste, on est plusieurs naturalistes. Alors, on fait différentes actions, notamment des inventaires et des diagnostics de la biodiversité urbaine. Alors, c'est un nom barbare, mais en fait, nous, on aime bien quand même impliquer les habitants. Donc, on fait ça très régulièrement de manière participative. Et en fait, comment ça se passe? Eh bien, on cible une zone au sein de l'équipe. Ça peut être un arrondissement, un jardin, un square, un parc, une résidence, des fois aussi une cour de résidence. Et donc, on va être entre 15 et 20 personnes à sillonner, en fait, tout l'espace sélectionné. Et on va s'orienter des fois sur un seul taxon. Donc, les taxons, ce sont des groupes d'espèces. Donc, par exemple, on va faire que les oiseaux. Ou alors, des fois, si on est d'humeur un peu plus fofolle, on va se dire, bon, bah, pourquoi pas les insectes, les plantes, parce que ce sont deux choses très liées. Et puis, forcément, les oiseaux aussi. Et puis, pourquoi pas les mammifères, les reptiles, bref, peu importe. Et en fait, ça va nous permettre d'aller parfois sur des zones où on n'a pas, nous, naturalistes, l'occasion d'aller souvent. Et on n'a pas forcément le temps aussi d'y rester souvent. Donc, deux personnes sur un terrain et 15 personnes sur un terrain, ce n'est pas la même chose. Et même en fait, si vous n'y connaissez a priori pas grand-chose, aujourd'hui, il y a pas mal d'outils de sciences participatives qui vous permettent, à l'aide d'une photo, en fait, d'identifier des insectes, des champignons, ce que vous voulez. Et donc, très vite, en 2 heures, on se retrouve avec un panel de 200 espèces identifiées. Et ça, c'est super chouette parce qu'en fait, il faut considérer les espèces comme des miroirs un petit peu de nos propres environnements. Du coup, quand on est en ville, pour caricaturer, si je vois un rat, je me dis, il y a des gens dans le quartier qui rangent peut-être pas très très bien leurs poubelles, c'est pour ça qu'il y a des rats, puisqu'ils en tirent bénéfice et qu'ils viennent chiper des aliments. Mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin que ça. Par exemple, quand je vois une libellule, ben, je me dis,
Tiens, c'est cette espèce de libellule-là, elle n'évolue que dans des eaux de qualité quand même assez intéressante. Si je la vois ici, ça veut dire que l'eau de mes cours d'eau est quand même pas trop mal. Idem quand je vois un papillon, tous les papillons ne sont pas forcément ultra ouverts à toutes sortes de végétaux, etc. Il y en a qui ont des besoins très très spécifiques. Et par là, en fait, ça va me donner des indications sur l'état de santé de mes prairies. Pareil, quand je vais regarder les coléoptères liés au bois mort, vous connaissez peut-être le lucane cerf-volant, vous savez, c'est un gros scarabée avec des grandes mandibules comme ça. Lui, il est lié au bois mort, en fait. Et une forêt en bonne santé, c'est une forêt avec du bois mort. Alors, si je le vois, je peux extrapoler que ceci, que cela, que ma forêt est en bonne santé. Voilà. Et ça marche avec plein de trucs. Voilà. Au-delà de ça, nous, vu qu'on bosse sur le milieu urbain, l'innovation pour réinventer la ville, c'est super important, en fait, pour nous. Parce que les humains, forcément, en ville, il y en a beaucoup. Il faut que nos mœurs à nous soient en adéquation, certaines fois, avec les mœurs des espèces qu'on a à cœur d'inviter et d'encourager dans le milieu urbain. Donc là, sur la photo au milieu, là, vous avez le Gabiodive. C'est en fait 60 mètres de berges revégétalisées, puisque de base, on est sur des prairies en béton où il n'y a plus rien qui vous cible. Donc on a plongé des gabions, en fait, qui subissent des périodes de crues, de décrues, etc. Au début, on est parti avec 7 espèces végétales. De zones humides, donc, parce qu'on a quand même 40% de la biodiversité qui est liée aux zones humides dans le monde, c'est super important. Et aujourd'hui, après 3 ans d'expérimentation, on est à plusieurs centaines d'espèces végétales qui sont venues toutes seules et plus d'une centaine d'espèces animales, dont des trucs qu'on connaît tous, hein, le castor par exemple, bah voilà, ça paraît assez inédit, mais on peut l'observer quand même dans le 7e arrondissement pour ceux qui connaissent, à Lyon, le martin pêcheur, bref, plein de choses. Et ensuite, là, c'est plus le volet qui nous intéresse, c'est vraiment l'application des habitants, mais pour le coup, vraiment concrète. Donc là, c'est plus de l'inventaire, c'est vraiment, maintenant qu'on a compris qu'il y avait des espèces super intéressantes dans le milieu urbain, comment on fait pour les inviter? Eh bien, au travers de haies, au travers de mares, mais aussi au travers de murs végétalisés. Si on peut aller à la suite. Donc là, on est en droit de se demander pourquoi végétaliser sa façade? Alors déjà, en fait, c'est intéressant de constater que si on mettait toute la ville à plat, imaginez que les bâtiments comme ça, je les prenne, je les mette à plat, on obtient en fait 5 fois le volume au sol en moyenne. Ça représente énormément, énormément de mètres carrés, hein, toutes ces façades. Et donc, déjà, ouais, l'embellissement du cadre de vie. Il y a une notoriété commune qu'on préfère se balader au milieu des fleurs, papillons et chants d'oiseaux que sur un champ de béton à perte de vue où ça sent pas très bon d'ailleurs, potentiellement. Et là, pour quelque chose de plus chiffrable, la diminution des îlots de chaleur. Alors, les phénomènes d'îlots de chaleur, moi, je ne suis pas un professionnel du sujet. Il y a plein de gens qui en parleront mieux que moi. Par contre, ce que je sais et qu'on a prouvé, c'est qu'une façade végétalisée, en plein cagnard, elle va jamais atteindre plus de 35 degrés. En revanche, en plein de soleil, on est facilement à 70 degrés. Donc, on diminue déjà de moitié en fait la réverbération du soleil et de la chaleur. Du coup, c'est top. Ensuite, filtration des microparticules polluantes, que ce soit des plantes grimpantes ou pas. Hein, dans tous les cas, les plantes ont une action et c'est suffisamment important pour être stipulé aujourd'hui. Au-delà de cela, un oasis de biodiversité. On ne se rend pas compte en fait, mais pour pas mal d'espèces, se balader en ville, c'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas de ressources. Pas de cachette, pas de gîte, pas de couvert, bref, c'est complexe. Il y a juste à mettre un petit liseron comme ça qui grimpe sur une gouttière pour déjà permettre à certaines espèces de se substanter, que ce soit en nectar ou d'aller boire un coup sur la rosée du matin. Et en fait, ces petites installations, vous allez faire mi bout à vous, pardon, ça fait ce qu'on appelle une trame verte. Donc une trame verte, c'est ce qui permet à une espèce d'aller d'un point A à un point B, en pas japonais en fait. Plein de petits milieux. Et bout à bout, ça fait quand même pas mal de centaines de mètres carrés. Sachant que c'est 2% du territoire de la France, quand même, les jardins privés, etc. Donc ça fait beaucoup, hein, mine de rien. Et pour un truc plus pratico-pratique, la longévité du bâti, pareil, je ne suis pas spécialement maçon. Par contre, en fait, en revêtant une façade de plantes grimpantes, vous allez diminuer tout ce qui est choc thermique et hydrique. Tout simplement parce que du lierre, par exemple, qu'on a tendance à considérer comme mauvais, en fait, il va faire un petit panneau bien sympa sur votre mur. Et s'il est sain, le lierre, pardon, il va pas chercher à s'imbriquer dans les fissures et tout casser. Non, non, il va pousser tranquillement et vous permettre pas mal d'économies. Mais alors, c'est sur le long terme. Voilà. J'espère que je suis clair. Est-ce qu'on peut aller à la suite? Parfait. Quelles questions se poser avant de se lancer?
Déjà, quel est l'objectif de ma plantation? Effectivement, est-ce que je veux que toute ma façade soit recouverte de vignes et que je puisse faire mon vin? Ou alors, est-ce que tout simplement, plus modestement, je veux un petit chèvrefeuille qui grimpe sur ma tonnelle au-dessus de ma porte? Voilà, c'est des questions qui se posent. Et en fait, elles sont très importantes parce que déjà, est-ce que j'ai suffisamment d'espace au sol et en hauteur pour accueillir les végétaux? Bon, en général, les maisons elles font toujours plus d'1,50 m, ce qui est déjà pas mal. Il y a pas mal de plantes qui peuvent pousser. Par contre, c'est l'espace au sol qui va être déterminant. On va le voir plus tard. Votre plante, elle va pas prendre les mêmes dispositions dans un petit pot que dans de la pleine terre. Et des fois, vous êtes obligé d'utiliser des pots parce que vous avez du béton. Mais des fois, suivant les villes où vous habitez, on propose aussi les micro-implantations florales. Donc, ça se fait à Lyon notamment et dans plein d'autres villes. En fait, ils viennent, ils font un trou carrément dans le béton, une percée, quoi. Et ça vous permet d'avoir accès à de la terre. Alors, c'est de la terre qui n'est pas toujours d'excellente qualité, mais on peut en fait modifier la qualité de cette terre au fur et à mesure. Pareil, on va y venir. Idem, si vous êtes dans une cour très très ombragée, ou alors si à l'inverse, vous êtes en haut d'une colline et exposé plein sud, ça ne va pas être pareil déjà en termes de température, en termes de lumen, l'unité de mesure de la lumière. Il y a des plantes qui vont choper des coups de soleil, d'autres à l'inverse qui vont totalement mourir si elles sont à l'ombre. La qualité de mon sol, on en a parlé tout à l'heure, ouais, est-ce que c'est rempli de gravats ou alors est-ce que vous avez de la chance, c'est un magnifique sol forestier riche en humus, bref. Tout ça, on va le voir. Mais peu importe la qualité du sol, là, on ne fait pas pousser spécialement des légumes, on fait pousser un large panel d'espèces qui s'adaptent en fait systématiquement à différentes conditions. Ensuite, est-ce que mon mur est abrité de la pluie? Ouais, ça, c'est un paramètre à prendre en compte quand même, parce que pour ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les pots ou alors les micro-implantations florales, bah, c'est magnifique d'avoir de la terre. Pour autant, si elle n'est pas arrosée naturellement, ça demande à ce que vous vous arrosez. Et donc forcément, le jour où vous partez un mois en vacances, par exemple, en août, ça peut être fâcheux. Donc là, on peut se dire pourquoi pas bidouiller sa gouttière et essayer de créer un système. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Et bah là, c'est de la redite, hein, la qualité de mon sol, la qualité de mon substrat. On parle plus ou moins de la même chose, mais pareil, on va y revenir plus précisément par la suite. Alors, ouais, vous allez voir, il y a plein de plantes grimpantes qui sont proposées dans les jardineries botaniques, Truffaut et j'en passe. Pour autant, il n'y a pas que des bonnes idées. On a quand même pas mal d'espèces exotiques envahissantes. Je ne sais pas si ça vous parle, ce thème-là. En fait, il faut savoir que sur à peu près 1000 espèces qu'on a introduites dans un nouvel environnement, il y en a toujours une qui va poser problème. Vous avez peut-être en tête les lantes, les renouées du Japon. Mais il y en a d'autres un peu plus méconnues, comme le topinambour, ou par exemple comme le chèvrefeuille du Japon, donc qui vient comme son indique du Japon. Donc en fait, ces espèces-là, ce n'est pas qu'elles viennent d'ailleurs, alors on ne les aime pas. C'est tout simplement en fait qu'elles arrivent sur un nouveau territoire, elles n'ont pas de prédateurs, la vie est trop trop belle pour elles, et du coup elles vont pousser, et petit à petit en fait empêcher les autres espèces de végétaux de pousser, devenir un petit peu omniprésentes, et en fait vu que la diversité spécifique du nombre d'espèces végétales va induire sur le nombre d'espèces animales, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Et donc on se retrouve avec des champs de renouées du Japon par exemple, donc c'est très vert, c'est magnifique, pareil quand on est en train en général, on va super vite, là on voit que du vert autour de nous. En fait, très souvent, c'est du robinier faux acacia, donc pareil, espèce exotique envahissante. C'est vert, ça fait une forêt, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément de la vie. Voilà, donc petit point de vigilance sur le chèvrefeuille du Japon. Et ce n'est pas le seul, j'en parle parce que c'est le chèvrefeuille le plus vendu et celui qu'on trouve le plus facilement. Idem, la glycine, donc c'est une jolie plante, hein, mais pareil, elle vient de Chine. Donc elle n'a pas en fait coévolué avec nos espèces animales indigènes depuis des millions d'années. Donc les interactions vont être très très faibles en fait. Vous allez peut-être voir plein d'abeilles de ruche bourdonner autour et quelques autres espèces généralistes. Pour autant, c'est pas non plus incroyable. Et l'autre problème pour le coup avec la glycine, elle n'est pas espèce exotique envahissante, mais elle est quand même très puissante. Hein. Faut imaginer un arbre qui grimpe. Donc suivant la qualité de votre support, elle peut vite le tordre et ça va pas ressembler à exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc moi la glycine, elle est très jolie sur les tableaux de Monet. Je le concède, mais je ne la conseille pas forcément sur une plantation. Voilà. Et donc, bon, moi, je vais vous en parler là pendant un certain temps, mais une fois que ce webinaire aura disparu, suivant où vous habitez, il y a quand même pas mal d'associations naturalistes locales sur le territoire qui pourront très précisément vous répondre sur qu'est-ce qui est bon à planter, le local, pas le local. Au-delà de ça, il y a un débat qu'on entend souvent, je fais une petite parenthèse, c'est voilà, le climat va changer, alors il faut planter méditerranéen. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça et je ne suis pas le seul.
c'est que les plantes méditerranéennes, en fait, elles ont un principe, c'est que l'eau qu'elles prennent, elles le reçoivent, certes, mais elles ne vont pas le restituer, en fait, avec l'évapotranspiration. Très souvent, c'est des feuilles grasses, des feuilles avec des petits poils, etc. C'est pour tout garder pour elles. Donc, déjà, elles ne participent pas spécialement au rafraîchissement de l'air. Donc, encore une fois, le serpent qui se mord la queue, numéro 2. Et puis, surtout, quand on plante des végétaux qui viennent, par exemple, de l'Atlas, Tunisie, Maroc, Algérie, comme c'est fait, bah, c'est super, hein, elle va pousser votre plante. Par contre, les espèces liées, bon, bah, on n'a pas encore les populations animales du Maroc, de Tunisie et de l'Algérie. Et j'en passe. Donc c'est pareil, ça peut être vert, mais encore une fois, pas forcément attirer la biodiversité. Et pour savoir en fait quelles sont les espèces indigènes, déjà vous avez le super site de référence Tella Botanica, il y en a plein d'autres dans le genre. Et ensuite une plateforme de sciences participatives dont je vous parlais tout à l'heure, qui référence en fait toutes les observations que vous pouvez faire sur Terre. Et aussi si vous voyez une plante qu'elle vous plaît, vous la prenez en photo, vous la mettez sur un naturaliste, ils vont vous dire c'est quelle espèce, et vous allez pouvoir après vous renseigner en fait. Et finalement, ça vous sert de petite école. Au compte-goutte tous les jours, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, pour ça. Et donc, quoi planter en fonction de sa région? C'est pareil, on a plein, plein d'écologies différentes. Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y en a qui n'ont vraiment rien à cirer. Ce sont ce que j'appelle les plantes tout-terrain. Et encore, on verra qu'elles ont leurs petites limites. On va avoir les sudistes, parce que forcément, si vous habitez à Lille ou à Nîmes, ce n'est pas les mêmes espèces végétales que vous allez planter. Et puis, vous allez avoir des vivaces hein, qui vont disparaître totalement pendant l'hiver et reprendre au printemps. Bref, on va rentrer là dans le vif du sujet dès à présent. Alors, j'ai commencé par la région méditerranéenne. Alors, on va avoir certaines espèces végétales, en fait, qui vont être, comme je vous expliquais tout à l'heure, particulièrement indiquées pour ces régions-là. Puisque déjà, elles y sont adaptées, ça fait très longtemps qu'elles y poussent. Et en plus de ça, très souvent, elles vont avoir un petit feuillage un peu plus coriace que d'autres végétaux, encore une fois pour limiter l'évapotranspiration et survivre dans des conditions un peu compliquées, dirais-je. Alors, déjà, on a la clématite flamette. Donc, c'est une petite clématite qui fait des toutes petites fleurs blanches, pardon. On est loin des grosses fleurs que vous allez voir dans le commerce, c'est pareil. Elles sont presque jamais vendues, hein, les espèces indigènes, donc il faut aller sur Internet, se renseigner. Mais on a cette petite clématite qui va atteindre quelques mètres et qui est particulièrement indiquée sur des sols pauvres, en plein cagnard. Ensuite, on a le chèvrefeuille des Baléares, donc, qui, comme son nom l'indique, est en fait un chèvrefeuille, mais pour le coup, totalement adapté à la région méditerranéenne, il est grimpant hein, aussi, et lui il va atteindre jusqu'à 6 mètres hein, potentiellement. Et il n'a pas peur des sols pauvres, des sols un peu caillouteux, poreux, où l'eau elle ne fait que passer. Lui, c'est son écologie, donc parfait. Ensuite, en herbacée, donc j'entends par là herbacée, des végétaux qui vont disparaître totalement pendant l'hiver et qui vont subsister à l'aide de rhizomes ou alors carrément à l'état de graines. Et donc là, on a par exemple le tamier commun. Qui est une petite asperge en fait, qui est consommée pas mal en Corse notamment et sur le pourtour méditerranéen, et qui est une plante grimpante qui, pareil, va atteindre une certaine taille, et qu'on appelle aussi l'herbe aux femmes battues. Voilà, c'est pas très marrant comme nom en fait, elle était utilisée avant pour guérir soi-disant les bleus, c'est totalement faux bien sûr, ça va plutôt faire doublement un ecchymose. Et à côté de ça, on a aussi le pois vivace, le pois de senteur, donc ça c'est un haricot qui est pas comestible. Mais pour le coup, qu'elle mérite d'évoluer dans des situations très très ensoleillées, jusqu'à quelques mètres, pareil. Et ça marche aussi dans le sud, c'est le houblon, hein, c'est la fameuse plante qu'on utilise pour aromatiser la bière. Hein. Ce sont les plantes femelles qui vont produire les fleurs, là que vous voyez en image. Elle peut pousser du nord au sud, du moment qu'elle est dans un sol riche en azote et bien humide, bien arrosé, un peu poussé presque les pieds dans l'eau, l'houblon. Et le houblon, c'est jusqu'à 10 mètres qu'il va pouvoir pousser, mais pareil, c'est un herbacé, il disparaît. Totalement pendant l'hiver, subsiste sous forme de rhizome. Ensuite, pour ceux qui habitent dans le sud et qui sont sur des endroits un petit peu plus ombragés, il y a la Salsparée d'Europe. Pour ceux qui aiment la bande dessinée Schtroumpf, c'est celle qui nourrit Schtroumpf, hein, cette plante-là. Alors, je me demande comment ils mangent ça parce que c'est vraiment pas la feuille qui donne le plus faim. Hein. Elle est très très costaud, on dirait un fil barbelé vert, je dirais. Mais elle est quand même sympa. Pareil, elle va pousser quelques mètres. Et puis le grand classique, j'en parlais tout à l'heure, le lierre grimpant, qui est une plante qui peut vivre plusieurs siècles déjà et qui s'adapte à un large panel de conditions pareilles du nord au sud. Donc à essayer. Voilà pour les méditerranéens.
Ensuite, pour tous ceux qui ne sont pas méditerranéens, à savoir que quand je dis méditerranéen, on peut monter jusqu'à Valence et un peu Lyon dans une certaine mesure, si vraiment vous êtes un endroit, il fait 50 degrés l'été et que c'est très compliqué. Pour le reste, on retrouve certaines espèces de chèvrefeuilles. Là, vous le voyez, le premier, c'est le chèvrefeuille des jardins. Donc lui, dans la nature, il n'est jamais présent en grand, grand nombre. C'est souvent un échappé de jardin, comme son nom l'indique. Mais on va quand même le retrouver de l'Asie mineure à la Bretagne, quoi, plus ou moins. Et lui, il est intéressant parce que c'est un chèvrefeuille qui va pouvoir, sous réserve que le sol soit un minimum humide quand même, on n'est pas sur un climat méditerranéen pour le coup, mais bien ensoleillé, il va pouvoir très très bien pousser. Et pareil sur des sols pauvres, hein, parce que ce n'est pas des chèvrefeuilles qui poussent dans des sols spécialement riches à l'état naturel. Ensuite, on a la clématite des haies. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le long des clôtures en hiver, ça fait des lianes avec plein plein de boules de poils sur jusqu'à 25 mètres, hein, cette liane elle peut faire. Pour l'anecdote, on l'appelait l'herbe aux gueux auparavant, puisqu'en fait, les mendiants, ils utilisaient cette plante, ils se frottaient les avant-bras avec, ça faisait plein de pustules affreuses, et ils s'en servaient pour implorer la pitié et faire semblant qu'ils avaient la lèpre, soi-disant. Moi, je ne l'ai pas constaté de mes yeux vus. Voilà. Donc ça, c'est une plante super intéressante, parce que elle, pour le milieu urbain, par exemple, c'est chouette. Elle n'en a rien à cirer qu'on lui fasse pipi dessus tous les jours, qu'il y ait des chiens qui viennent poser leur petite crotte, puisque c'est une plante qui est ce qu'on appelle nitrophile. Elle adore l'azote. Et en plus de ça, c'est comme une floraison qui va être assez riche de mai à juin, des fois même un peu plus tard, remontant. Et ça va faire enchevêtrement, pardon, bien bien dense, qui va profiter à pas mal d'oiseaux. Et puis surtout, encore une fois, on est sur une liane de 25 mètres. Vous imaginez, on pourrait en fait couvrir des pans entiers de murs. Alors, ce que j'ai pas précisé là, c'est que tous les plantes que j'ai présentées, ou presque, ce sont des lianes qui sont volubiles en fait. Elles ont besoin d'un support pour pousser. Elles ne peuvent pas pousser sur un sol nu. À part le lierre, qui est notre seule plante grimpante avec des crampons indigènes, toutes les autres, elles ont besoin d'un support. Donc là, cette fameuse clématite des haies, si je tends un câble du sol au plafond d'un building de 25 mètres, elle va y aller, hein. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, on retrouve notre petit pois vivace dont j'ai parlé tout à l'heure. Pareil pour le tamier commun, je ne vous refais pas un speech. Par contre, on a des nouvelles. C'est le liseron des haies. Donc ça, c'est un liseron qui atteint jusqu'à un peu plus de 2 mètres, je dirais. Il est facilement reconnaissable, hein, avec ses grandes trompettes blanches. Et lui, en fait, il peut pousser dans des sols riches comme dans des sols pauvres. De préférence sur des sols de sols riches. Hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur sol pauvre là. Et surtout sur des sols bien tassés. Et mine de rien, en ville, des sols tassés, vous allez en voir pas mal. Donc au début, pour décompacter votre sol et tout, pourquoi pas partir sur le liseron des haies. Donc c'est un herbacé, hein, il disparaît pendant l'hiver, mais il va faire plein de graines. Donc vous pouvez les récupérer et les replanter sur les années suivantes, et puis partager à vos copains et copines aussi, ce qui est chouette. Ensuite, on a la renouée grimpante. Alors les renouées, c'est très très compliqué à l'identification. Encore une fois, on en a qui sont grimpantes aussi, mais qui viennent d'ailleurs, qui sont espèces exotiques envahissantes. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Fallopia duméotome, celle-ci, elle est bel et bien européenne. Et avec Naturaliste, vous allez pouvoir la taper sur le moteur de recherche et vous allez voir sur la carte de France où elle se trouve, même très précisément. Donc ça se trouve, vous en avez une qui pousse à l'orée de votre village. Vous vous déplacez à pied ou en voiture, vous faites comme vous voulez, vous la récupérez et vous pouvez tenter de faire des boutures. Et ça, c'est valable avec toutes les espèces de plantes dont j'ai parlé, hein. C'est des plantes qui, si elles ne se trouvent pas facilement dans le commerce, par contre, à l'état sauvage, très facilement, et vous pouvez récupérer des graines, faire du bouturage, faire du marcottage et vous débrouiller avec ça. Ensuite, donc là, je vous ai parlé des endroits un petit peu ensoleillés pour ce qui est de la moitié, les trois quarts nord de la France. Ensuite, pour ceux qui habitent à des endroits un peu plus ombragés ou sous des arbres ou dans des cours d'immeubles très très ombragés, moi, c'est mon cas. J'habite au centre des pentes de la Croix-Rousse. Pour ceux qui connaissent, il n'y a pas très très souvent de la lumière. Par contre, je fais pousser mon petit chèvrefeuille des bois, Lonicera periclimenum, très très bien, parce que lui, dans sa vie, en fait, il pousse sous les épaisses frondaisons des arbres. Alors, j'ai une question, je vais y répondre après, Françoise, merci. Pas de problème. Et donc, il est habitué à pousser dans ces cas de figure. Il peut monter jusqu'à 6 mètres. Encore une fois, je retrouve mon lierre. Donc, qui normalement n'abîme pas le mur, il est pas connu pour ça en fait, hein, le lierre. Si votre mur s'abîme, c'est pour d'autres problèmes. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le lierre, il va avoir tendance plutôt à rallonger la durée de vie de votre mur quand il est sain.
Et c'est franchement le mieux, je trouve, le lierre, puisqu'en fait, il n'a pas besoin de support, donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. C'est une des plantes qui attire le plus d'espèces hein, par chez nous. Et forcément, il est vert toute l'année, donc ça fait chaud au cœur, dans un milieu urbain, encore une fois, ou pas, d'avoir un mur vert toute l'année. Il va produire des fruits tout l'hiver pour les oiseaux, bref, c'est du bonheur. Et puis, on a une petite plante aussi qui peut pousser à l'ombre. Donc je l'ai vu aussi en plein soleil, mais je l'ai vu aussi dans des étuias infranchissables. C'est la bryon dioïque. C'est une plante de la famille des cucurbitacées, donc au même titre que les courges, les concombres et tout. Elle est locale, elle est bien de chez nous. Par contre, elle fait des petits fruits qui sont toxiques. Mais bon, en général, on voit un fruit rouge, bien rond, sphérique, avec des petits poils. On n'a pas trop envie de le manger, mais des fois que voilà, ne le faites pas. Et elle, c'est une plante qui va faire un bulbe un petit peu comme une mandragore pour ceux qui connaissent Harry Potter, et qui est assez vigoureuse, hein. Pareil, elle va pouvoir atteindre jusqu'à 6 mètres. Voilà. Alors, quels sont les chèvrefeuilles odorants? J'y réponds là. Toutes les chèvrefeuilles dégagent une odeur quand même assez importante. Et preuve en est, hein, on a fait l'expérience sur un chèvrefeuille, je ne sais plus c'est quelle étude qui démontre ça. C'est en fait 2000 pollinisateurs par jour qui viennent visiter les feuilles de chèvrefeuille d'une centaine d'espèces différentes. Donc c'est quand même appréciable. Et donc nous, ça sent pour nous et ça sent aussi pour les insectes. Et on pose la question, qu'en est-il de la vigne vierge? Eh bien, je ne la présente pas puisque c'est une espèce exotique qui vient soit d'Amérique, soit d'Asie. Et donc pour la vigne vierge à cinq feuilles, par exemple, elle est même espèce exotique envahissante, elle nous vient d'Amérique du Nord. Voilà. Donc je ne la conseille pas. Idem, j'y pense aussi. Un truc que je vois souvent, c'est le passiflore. Donc qui fait les grandes, le passiflore bleu, qui fait les grandes fleurs bleues avec des fruits sphériques orange. Pareil, s'il n'est pas encore classé espèce exotique envahissante, il va pas tarder à l'être et il est vraiment très très compliqué à se débarrasser. Et pour le coup, la fleur elle est magnifique, hein, mais alors les insectes d'ici, ils savent pas du tout quoi faire avec, quoi. Ils n'ont jamais vu un truc pareil de leur vie. Donc idem, en interaction avec la biodiversité, vous êtes à pratiquement zéro, quoi. Voilà. Mathieu, je te propose de continuer et on garde les questions qu'on posera en fin de présentation. Nous, on Pardon, les... désolé, Ouais, désolé, non, c'était mais il qu'on n'y a parlait pas de de plantes et je souci. me suis dit. Quoi planter en fonction de sa région? Bah là en fait pour tout ce qui est comestible, bah en fait toutes les espèces que j'ai présentées ici, vous pouvez les cultiver du nord au sud. Et sont plus ou moins grimpantes, hein, dans la limite du raisonnable. Les tomates, effectivement, on peut les palisser. Dans la nature, c'est une liane, en fait, hein, la tomate, sauf qu'elle rampe sur le sol et éventuellement sur les autres arbres, les végétaux. Donc chez nous, on peut essayer de refaire un petit peu la même chose. Évidemment, pour les sols riches en matière organique, voire même très très riches, on a tous les cucurbitacées, des courges en tout genre, les concombres, etc., qui vont elles aussi pouvoir pousser sur des supports parce qu'elles ont des petites vrilles. Ça, elles peuvent s'accrocher à des supports et grimper. Et là, pour le coup, pour ceux qui n'ont pas encore des sols optimaux, je sais plus, en termes de sources en azote, je vous conseille en fait tous les haricots, les fabacées en général, comme le pois de senteur que j'ai présenté auparavant. Puisque eux, c'est des plantes qui ont des nodules, donc qui, en alliance avec des bactéries, vont pouvoir en fait créer une sorte d'emploi dans la terre et petit à petit l'enrichir en azote. Donc, c'est des merveilleuses plantes pionnières, quand même, les haricots. Il faut les saluer pour ça. Au-delà de ça, on a les ligneux à palisser, donc je pense aux pommiers, aux poiriers, par exemple. Ce n'est pas des plantes grimpantes, mais elles peuvent facilement se faire diriger, pareil, sur des câbles, et c'est quand même intéressant. Et puis contre un mur, ça marche bien en général, les fruits mûrissent extrêmement bien. Et puis en ligne grimpant, il y en a qu'on ne présente plus du tout, la vigne. Plutôt en situation ensoleillée quand même, et encore que. Et puis le kiwi, pareil, bien à l'abri des vents, donc c'est des plantes qui sont dioïques, avec des mâles et des femelles, donc on plantera plusieurs individus de sexes différents systématiquement. Et puis aujourd'hui, on a développé des cultivars de ronces en fait, hein, mais qui sont sans épines et du coup un peu plus domesticables, qu'on peut faire facilement planter sur des câbles. Et ça, je crois que des 8 euros, vous pouvez trouver des plantes de ce genre. Et surtout, ça se bouture aussi très bien, donc pourquoi pas aller en chiper chez le voisin, à bon entendeur. Ensuite, pour ce webinaire, j'ai décidé de pas mal axer ça faune et flore, parce que même si on le fait d'abord pour nous, c'est quand même toujours chouette de voir que de base, on partait d'un mur totalement nu et que de fil en aiguille, on arrive à avoir pas mal d'espèces de plantes grimpantes qui poussent et forcément une myriade d'espèces animales aussi associées.
Je commence avec le houblon, donc au-delà de donner de chouettes arômes à la bière, c'est la plante hôte du Robert le Diable, Paulignia sealbum, là, et de Inakisio, qu'on appelle plus vulgairement le pan du jour. Donc en fait, plante hôte, ça signifie que c'est une plante qui va être nécessaire, indispensable au développement d'une espèce. Donc là, pour le cas des papillons, ça va être en fait les chenilles qui vont se nourrir uniquement soit de feuilles de houblon, soit de feuilles de liard globalement pour les deux espèces citées ici. Donc je le rappelle, le Robert le Diable et le Pan du Jour. Après, pour le Calystegia sepium, qui est en fait le fameux liseron des haies, on va avoir quand même le sphinx du liseron, qui est un des plus gros papillons nocturnes qu'on a chez nous. Et lui, en fait, sa chenille, elle est magnifique. Toutes les chenilles de sphinx sont assez remarquables. Elles ont comme une espèce de petite queue, ou une espèce de corne comme une licorne, ça dépend comment on la regarde. Et donc ça fait la taille d'un moineau, hein, pratiquement, ce papillon. Et lui, pour le coup, il ne se développe que sur les feuilles du liseron. Hein. Les chenilles vont dévorer ses feuilles. Et lui, l'adulte, ça va être un pollinisateur nocturne qui va avoir une grande trompe et qui va avoir un peu un mode de vie semblable au colibri en battant très, très vite des ailes sur place. Ensuite, sur le pois de senteur, on va avoir un super petit papillon de la famille des azurées, Lampides boeticus. Donc les azurées, c'est tous les petits papillons un petit peu bleus que vous voyez des fois dans les pelouses. Ça, c'est la famille des Lycénidés. Et donc c'est plein plein de papillons aux motifs et aux couleurs très diverses qui à chaque fois en fait vont avoir des besoins quand même assez précis. Et donc là encore une fois, les chenilles vont se développer sur les feuilles du pois de senteur, pardon. Ensuite, j'ai pris l'exemple du Lonicera periclimenum, c'est le chèvrefeuille des bois, mais ça marche aussi avec le chèvrefeuille des jardins, ça marche aussi avec le chèvrefeuille des baléares que j'ai présenté pour ceux qui habitent plus sur le pourtour méditerranéen. J'ai vu quelqu'un de Tunisie tout à l'heure. Donc, ça, ce chèvrefeuille-là, les feuilles vont être consommées encore une fois par un super sphinx, c'est le sphinx gazé. Et Marie Suciformis, il est magnifique. J'ai pas encore eu l'occasion de l'observer souvent, hein, j'avoue. Et puis, en fait, comme tous les végétaux, ils vont produire des fruits. Et là, je pense, j'en place une pour la petite grive musicienne qui adore les fruits de chèvrefeuille. Et petite anecdote sur la grive musicienne, elle, au-delà de manger des fruits, des graines, etc., elle va aussi manger pas mal d'escargots. Et en fait, elle va se choisir une petite pierre fétiche sur laquelle elle va fracasser les escargots et s'en nourrir. Donc en fait, si vous voyez un tas avec des escargots complètement cabossés, en général, c'est la grive musicienne. Et je me sers de cet exemple en fait pour illustrer le fait que dynamiser la biodiversité chez soi, ça va être aussi super ça va vous rendre plein de services pour aussi le potager, pour tous les ravageurs en fait qui déciment potentiellement vos plantations. Après, j'ai parlé aussi du lierre, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une plante déjà qui abrite sept espèces de papillons qui n'hivernent presque uniquement que sous les feuilles du lierre pendant l'hiver. Je pense par exemple au papillon citron qui vit un an en fait, qui produit une espèce d'antigel. Et lui, il adore se mettre sous les épaisses feuilles de lierre pendant l'hiver pour passer ça tranquillement. On a forcément aussi, pour ceux que ça parle, la fauvette à tête noire, qui est un oiseau qu'on va presque exclusivement retrouvé dans les bosquets lierres. Enfin, c'est bien son délire, les haies denses. Et la collette du lierre, alors là, en fait, c'est une abeille qui est oligolectique, ça veut dire du lierre. Elle ne se nourrit que du nectar de lierre, et en fait, les huiles essentielles, etc., présentes dans les fleurs de lierre, sont essentielles au développement de ses larves. Donc l'apparition de cette abeille, elle va être étroitement liée à la floraison du lierre. Ensuite, la bryone dioïque. Donc c'est pareil, elle va avoir aussi une petite espèce d'abeille oligolectique, c'est l'andrène de la bryone. Il faut savoir qu'on a quand même 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, donc il y a à boire et à manger. Hein. Et donc cette espèce-là, pareil, si elle n'a pas la bryone, elle ne peut pas exister. Par contre, paradoxalement, la bryone peut exister sans l'andrène. Et puis, parce qu'on n'a pas que des coccinelles qui mangent des pucerons, des cochenilles, on a aussi des coccinelles pardon, qui se nourrissent du mildiou, vous savez, des petits champignons sur les plantes, mais aussi des coccinelles qui sont entièrement phytophages, herbivores. Et donc, on a la coccinelle de la bryone qui, comme son nom l'indique, se délecte des feuilles de bryone. Et pour finir avec les interactions, les clématites. Alors forcément, je vous ai parlé d'une floraison un peu assez importante tout à l'heure. On va avoir plein, plein, plein de pollinisateurs. Là, j'ai pris en exemple ce cierf de la famille du genre Skyva. Les cierfs, c'est, vous savez, des petites mouches qui ressemblent à des abeilles, qui font du surplace et qui sont très souvent pollinisatrices, pollinisateurs. Et puis, on a aussi le tecle du bouleau. C'est le joli papillon, la Tecla betula,
qui, comme son nom l'indique pas du tout, ne se sert pas du tout du bouleau pour exister. Mais par contre, ces chenilles vont se développer notamment sur les feuilles de clématite. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, mais en fait, ces plantes, potentiellement, elles accueillent jusqu'à plusieurs centaines d'espèces animales et potentiellement végétales aussi. Donc c'est complètement dingue. Et puis je vous invite à renseigner ça. Il y a des protocoles aujourd'hui de sciences participatives, Spipol. L'idée, c'est de se mettre devant une fleur et de prendre en photo tous les insectes qui vont venir dessus. Encore une fois, avec l'application dont je vous parlais, iNaturalist, tous les insectes bizarroïdes que vous voyez sur les plantes, vous pouvez les prendre en photo et les identifier. Bref, c'est génial. Ça ressemble vite à un zoo, en fait, quand on décide de s'y pencher un peu. Et puis, on ne cesse d'avoir des surprises. Du coup, on avait pensé avec Mathieu vous proposer voilà, une petite vidéo qui est issue justement de la formation J'agis, je plante, des tutos qu'on vous propose pour vous donner un petit avant-goût de bah, quoi ça ressemble, etc. Et puis vous donner envie de vous connecter. Et puis vous parler autrement aussi de la vie qui revient dans vos villes grâce aux plantations. Donc on va écouter Victorine et Nicolas Mérieux, qui est le guide de notre formation J'agis, je plante, et Victorine, et qui se fait donc aussi partie de l'association de Mathieu des espèces par million. Je lance, je croise les doigts pour que le son et tout fonctionne. Vous avez fini par réaliser le chantier de vos rêves et maintenant vous attendez des résultats. Je comprends, mais un peu de patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de faire confiance à la nature parce qu'elle a horreur du vide. Donc inutile de s'inquiéter, la biodiversité arrive au pas de course, n'est-ce pas, Victorine? Oui, tout à fait, la nature, elle a horreur du vide. Alors souvent, quand on veut voir de la biodiversité, on va dans les parcs ou les jardins, mais en fait, elle est partout autour de nous, elle colonise chaque interstice. Donc même sous nos pieds, par exemple, dans le trottoir, la moindre fissure, il va y avoir des herbes et de la flore qui va se développer dedans. Par exemple, on a fait une étude dans le premier arrondissement de Lyon et on a découvert un peu plus de 200 espèces différentes de flore spontanée qui poussent vraiment au milieu des trottoirs en pleine ville. Et cette flore-là, du coup, elle permet au début à certains insectes comme les bourdons, les abeilles ou les papillons à venir coloniser ces lieux en premier. Puis les oiseaux, qui sont des animaux aussi qui ont une grande capacité de dispersion. Et au fur et à mesure, d'autres animaux qui ont des exigences plus importantes que ceux-là vont venir, tels que le hérisson ou l'écureuil. En ville. En pleine ville. Okay. Les murs végétalisés, c'est des véritables réservoirs de biodiversité dès le début. Le lierre, par exemple, ici le lierre qui est juste derrière, on a compté à peu près une dizaine d'espèces d'oiseaux qui nichent dedans. Alors D'accord. là, c'est au bout de 5 ans de floraison. Mais dès le début, le lierre, c'est une plante qui est juste géniale parce que elle a une floraison très tardive. Donc elle permet aux pollinisateurs, par exemple, de se nourrir et de se préparer pour l'hiver. Avec son feuillage très dense, elle permet aussi de se protéger du froid et tout ça pour rester bien en intérieur. Et petit à petit, elle va produire beaucoup de baies. Et là aussi, les oiseaux, c'est ce qu'ils adorent. Et si je plante qu'un seul mur végétalisé dans ma ville, est-ce que ça sert à quelque chose, une plantation isolée comme ça? Et bien, bah, carrément, en fait, tu vas avoir un impact direct à une échelle très locale, donc sur quelques mètres carrés. Mais si c'est connecté après avec un bosquet en pleine ville, avec un parc, là, tu vas avoir une vision d'ensemble et l'impact va être encore plus important, il va y avoir plus de sens. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus on végétalise des façades, chacun à son échelle, plus on plante des haies, et bien en fait, ces petits îlots de biodiversité, on les reconnecte les uns avec les autres, et on passe de un impact sur quelques mètres carrés à des hectares et des hectares de terrains qui sont préservés, qui permettent du coup le retour de cette biodiversité. Du coup, ça va créer des corridors, quoi. C'est La ça. vie va pouvoir se passer Chacun d'une avec face son à terrain. l'autre, quoi. C'est ça. Pour aider cette biodiversité à revenir, est-ce qu'en plus de planter, il y a d'autres choses qu'on peut faire? Oui, alors planter, c'est la première étape. Après, la deuxième aussi, c'est de laisser faire la nature. Par exemple, si vous avez l'habitude de tondre vraiment à côté de la haie ou dès qu'il y a une plante un peu sauvage, spontanée qui pousse à côté du mur, les arracher, c'est inutile. Autant laisser la végétation venir d'elle-même que les fleurs montent en graines pour faire venir les pollinisateurs. Elle le rendra bien parce qu'elle va aider du coup la haie et le mur à se végétaliser encore plus vite. C'est ça qui est important, c'est plus on diversifie l'habitat, plus on propose le gîte et le couvert à un maximum d'espèces. Et chacun a vraiment son rôle à jouer pour permettre à ces espèces de pouvoir se développer correctement. C'est exceptionnel. Merci beaucoup, Victorine. Merci. Et voilà le petit extrait donc des 64 tutos vidéo qu'on vous propose sur j'agisjeplante.org. Voilà, donc il y a des petits modules comme ça qui sont plus générique et puis des modules très pratiques, pratico-pratiques, techniques sur comment on choisit l'implantation
de sa plantation justement, comment on met en jauge les plants, voilà, comment on juge la qualité du sol. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter. Et je te redonne la parole, Mathieu, pour parler des plantations en pot, si on ne peut pas se lancer sur une façade en terre. Non, alors hop, encore le son. Ce truc est un. Ah, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Parfait. Donc oui, des fois, on est obligé de passer par un pot. Alors en fait, le pot, c'est une situation pérenne si on fait un arrosage quand même régulier. Donc là, pourquoi pas bidouiller un truc avec les gouttières déjà. Optimiser avec un paillage bien épais. Donc ça peut être de la paille, des feuilles mortes, du broyat de bois à la surface pour limiter un max l'évaporation. Ensuite, il y a les petits tips à connaître là. Effectivement, si on met le premier pot dans lequel est planté le végétal, puis ensuite un deuxième pot par-dessus, ça va faire une isolation thermique et forcément réduire l'assèchement de la terre. Et en réalité aussi, si le premier pot dans lequel est planté votre plante, dans le deuxième pot, qui lui va être plus grand, au fond, vous mettez des billes d'argile, des cailloux ou quoi, eh bien l'eau va pouvoir y rester. Et ça va permettre aux petites racines en fait d'être toujours un petit peu plongées dans l'eau quand même, quand vous arrosez bien, d'avoir des réserves. Donc voilà, ça c'est les points négatifs en fait, c'est vraiment le fait qu'il faut arroser régulièrement et que la croissance, elle n'est pas incroyable en pot, hein, forcément. Après, on a certains végétaux quand même, je pense aux chèvrefeuilles, qui s'en sortent pas si mal en pot. Par contre, les points positifs, c'est que oui, vous pouvez contrôler facilement la taille, hein, parce que forcément, vous n'allez pas vous réveiller un matin, ça n'aura pas envahi toute la façade. Et pas besoin de casser le béton, donc d'une certaine manière, ça peut être économique. Et puis c'est bien pour commencer aussi, pour vous faire la main, peut-être qu'au bout de 2 ans passés en pot, vous avez envie de sauter dans le bain. Voilà. Hop. Hop. Et alors pour ceux qui veulent vraiment faire une façade végétalisée avec du matériel de quincaillerie haut de gamme, ben c'est simple en fait, il vous faut tous ces petits objets là. Et puis vous voyez au milieu, je vous ai fait le schéma en fait de comment ça s'agence. Donc voilà le tendeur au milieu là, qui va permettre chaque année potentiellement de tendre le câble. Alors le but, c'est pas que ça soit des cordes de guitare, votre façade végétalisée, parce que les plantes déjà vont exercer une pression dessus. Il faut que ça soit un petit peu lâche. Et puis suivant le matériel que vous utilisez, ça va supporter des pressions plus ou moins fortes. Donc c'est à vous de voir, hein. Si vous plantez un liseron, peu importe, avec une ficelle, ça marche. Si vous plantez une glycine, c'est foutu. Voilà. Faut réfléchir par rapport à ça. Et donc, à gauche, je vous ai mis vraiment les outils, les matériaux que vous avez besoin d'acheter. Et puis le reste, vous pouvez vous les faire prêter sans trop de problèmes, quoi. On a fait pas mal de tutos, je crois, sur notre site internet avec des espèces par million, puis aussi pas mal de vidéos avec la fondation, donc vous allez pouvoir recoller les deux. Voilà pour les outils, c'est pas si intéressant que ça, les vis et tout, donc on va passer. Et on va passer à Et ce voilà, qui c'est le moment de. intéresse tout le monde, répondre aux questions voilà, que vous nous avez posées, qui sont quand même assez nombreuses. Je vais arrêter le partage, voilà, pour que ce soit plus sympa. On va reprendre peut-être et juste revenir peut-être deux secondes, Mathieu, si tu veux bien, sur le lierre, qui fait vraiment pas consensus. Voilà, qui questionne encore sur voilà, les impacts sur les murs, etc. Voilà, donc si tu peux redire quelques mots là-dessus, notamment on nous parle des traces que ça laisse effectivement après ces petits crampons sur le mur, etc. Voilà, Ouais. donc remettre les pendules à l'heure sur le lierre. Alors, je retrouve le message exact. Ok, le lierre se développe, masque le mur qu'on ne voit pas se dégrader lorsque cela se produit. Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est un cache-misère, le lierre. Après, honnêtement, on ne voit pas se dégrader, mais comme je disais, ça rallonge sa durée de vie. Ensuite, sur les traces de crampons que ça laisse, bah en fait, du coup, si on l'arrache pas, on n'a pas ce problème-là. Pour autant, il y a quand même un mais à tout ça.
Moi, je reste un fervent défenseur du lierre sur les façades. Pour autant, du lierre dans une gouttière ou sur des tuiles, bah, c'est pas un secret, ça casse tout, quoi. Donc il y a quand même une gestion à faire. Tout ce qu'on a imaginé, c'est planter plusieurs pieds de lierre à différents développements. Et dès qu'il y en a un qui atteint vraiment le point ultime au niveau des tuiles, de la gouttière, on le coupe à la base. Il repartira. Et puis les lierres plus grands couvriront. Et donc ça nous fait un système un petit peu comme ça, où on peut gérer tout ça. Et je pense que c'est un peu la dent dure, ce genre d'idées reçues. Et que rien ne vaut l'expérience aussi. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont eu un mur qui s'est fait fracasser par le lierre, je suis curieux d'avoir des retours. Nous, en tout cas, d'un point de vue purement scientifique et pratique, c'est pas censé arriver. Voilà. Alors, maintenant que ce petit point est fait, j'ai une question de Céline. Est-ce qu'un mur qui présente de l'humidité, source en sous-sol, peut être végétalisé? Alors, est-ce qu'un mur? Oui, qui présente de l'humidité, source en sous-sol, donc j'imagine, voilà, peut être végétalisé. C'est-à-dire que le support, la façade doit être très humide, j'imagine. Ah bah, y a aucun problème là-dessus. Je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais on a quand même pas mal de plantes grimpantes qui vont se développer sur des troncs, par exemple. Donc là où il va y avoir toujours un petit peu d'humidité avec différentes mousses qui vont pousser, l'eau qui va ruisseler lorsqu'il y aura des pluies. Donc ils sont habitués à ces systèmes-là. Pareil, hein, sur des roches bien fraîches, remplies de mousse et tout. Un mur humide, faut l'imaginer comme une falaise, en fait, hein, dans la nature. Donc non, ça déroute pas les plantes, au contraire. Merci. J'ai une question de Florence qui nous demande, mais ça revient peut-être un peu sur ce que tu disais sur le lierre. Comment on gère les plantations sur immeuble une fois qu'elles ont atteint le toit? Mais j'ai répondu pour le lierre, et puis après pour les autres plantes qui sont donc volubiles, qui ont besoin de s'attacher à des supports. En fait, c'est la taille de votre support qui va déterminer la taille de votre plante grimpante, en fait. Si vous avez une façade de 50 mètres de haut et que votre support il s'arrête à 5 mètres, la plante ne va pas aller plus haut, en fait. Donc c'est à vous de voir ça, en fait, en amont du projet. Eh Et bien. puis, comme je le dis tout à l'heure, à part la clématite ou le lierre, on est quand même sur des hauteurs raisonnables qui, en général, excèdent pas trop les 6-10 mètres. Donc après, c'est à vous de voir aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est dans l'objectif de la plantation et les questions à se poser avant de se lancer que tu évoquais au début du webinaire. On a une question de Christine sur les hypomées. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Je ne sais pas si tu as abordé la question après. Les hypomées, ouais, alors c'est un terme vague, mais encore une fois, c'est quand même pas mal de plantes qui viennent d'ailleurs, hein, vous pouvez le vérifier vous-même sur Google. Je crois que la patate douce, par exemple, est une plante de la famille des hypomées, voilà, pour donner un ordre d'idée. Mais je trouve que dans le style hypomée, encore une fois, on a nos liserons qui correspondent plus ou moins à l'idée que je me fais d'une hypomée indigène. Et puis, ça me fait penser au Volubilis. Vous voyez, c'est une plante qui ressemble au liseron, qui a des belles trompettes bleues là. Ça, c'est pareil, ça fait partie, hélas, des plantes qu'on va condamner dans la plantation. C'est une plante exotique envahissante, encore une fois. Donc, ouais, je suis d'accord, ça rend peut-être un peu triste pour ceux qui ont en tête des myriades de couleurs et tout. Mais d'un autre côté, les fleurs chez nous sont peut-être moins dingues, moins colorées. Mais au moins, vous aurez des super beaux papillons, si on peut leur faire un échange. Est-ce que tu peux nous donner des essences de chèvrefeuille qui sont odorantes? Ouais, toutes celles que j'ai citées, en fait, hein, chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille des jardins et chèvrefeuille des baléares, ce sont des chèvrefeuilles odorants. Après, c'est un peu un argument commercial, en fait. On va vous dire, ouais, non, mais moi, c'est moi quel chèvrefeuille le plus odorant. Non, non, il n'en est rien. En général, ça sent bon. Pas de problème. Une autre question sur les essences, une question de Thierry qui demande, qui dit que tu n'as pas à conseiller les rosiers grimpants, SA Escient, pourquoi? C'est vrai, parce que, à ma connaissance, on n'a pas de rosiers spécialement grimpants indigènes. Ça va être plutôt des cultivars, donc en général des rosiers qui vont faire certes plein, plein, plein de pétales, mais au détriment du développement du nectar. Donc encore une fois, d'un point de vue purement biodiversité, je trouve pas ça extrêmement intéressant. Par contre, j'ai déjà observé dans la nature des églantiers
qui se comportaient un petit peu comme des lianes et qui montaient jusqu'à 8 mètres de haut, hein. Donc je pense qu'un bon vieil églantier, qui est super intéressant parce que extrêmement résistant, qui va vous faire des fruits comestibles aussi, il peut être palissé et un petit peu dirigé comme une plante grimpante. Autre question, on entend souvent que planter un arbre trop proche d'un bâtiment, ça risque de fragiliser ses fondations. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors il y a quelque chose à savoir aussi, c'est que le volume racinaire va dépendre du volume que la plante elle prend dans l'espace en fait. Donc ouais, si je plante un peuplier de 30 mètres de haut à côté de ma maison, pas très bonne idée. Donc c'est à vous aussi de gérer le volume de l'arbre. Après, il faut savoir qu'il y a des plantes qui sont plus ou moins déconseillées. Je pense au figuier par exemple, c'est pas une très bonne idée. Lui en général, il pousse pas loin des puits, etc. C'est vraiment un véritable petit puiseautier le figuier. Et ses racines, elles sont très costauds. Et s'il trouve une source d'eau dans les canalisations ou quoi, il va tout faire pour tout casser et les retrouver. Donc je déconseille. Après, il faut se rappeler aussi que les racines, ce n'est pas forcément d'horribles monstres. Hein. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à dire, oula, faut pas planter trop près des maisons et tout. Faut faire au cas par cas et se renseigner au préalable. Et il y a aussi certaines espèces qui ont des racines traçantes. Là, pour le coup, elles vont soulever les dalles, etc. Voilà, donc c'est à se renseigner. Encore une fois, c'est de la biologie, il hein, faut lire. On a une question de Gwen qui dit qu'elle a la possibilité de récupérer des palox, ces boîtes en bois sur palette. Elle voudrait s'en servir pour mettre pour un mur au pied duquel elle n'a pas de terre. Comment elle peut les faire durer? Est-ce que la question te parle? Ouais, Ou est-ce que c'est quelque donc chose en fait où... des palettes, si j'ai bien compris. Des palox, donc c'est des boîtes en bois sur palette. Ouais, ok. Comment on peut les faire durer? Un bon vieux mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin, et puis on les badigeonne, mais ça sera un peu de mon domaine de compétence, j'avoue. Mais ouais, en fait, faut pas oublier que n'importe quel type de support peut être utilisé. Hein, si vous avez envie de recycler un grillage à poule, c'est peut-être pas très beau, mais une fois qu'il y a des plantes dessus, on n'y voit que du feu. Donc ouais, c'est une bonne idée quand même. Je trouve ça plus intéressant et moins coûteux du coup que de se lancer dans la création d'une façade végétalisée avec des câbles. Donc c'est le genre d'initiative à souligner et je vous encourage dans cette voie-là. Puis après, sur la durée du matériau, c'est à vous de voir encore une fois au cas par cas. Je m'y connais moins là-dessus. Une petite question sur le kiwi. J'ai entendu dire qu'il faut du solide, j'imagine, pour qu'on parle du mur, hein, que Gwen parle du mur. Est-ce qu'on peut savoir où trouver l'info? Ouais, alors il y a un truc pas mal, c'est échanger avec des gens qui ont des kiwis. Je pense qu'ils vont avoir une meilleure réponse que moi, puisque moi je vous dirais que ça dépend du système de câblage, etc. Mais j'imagine que le kiwi, c'est quand même un petit peu comme la glycine aussi, à plus petite échelle, un arbre grimpant. Donc ouais, effectivement, faut du solide, comme on dit. Ouais. On me parle des églantiers, mais tu en as parlé il y a 3 secondes, là, hein, il y a quelques minutes, me semble-t-il. On me parle de l'hortensia grimpant. On parle des églantiers aussi. Vas-y, les deux, hein, Ok, pourquoi bah pas. super. Il y a les poiriers en espalier aussi, dont on nous parle. Ouais. Tout à fait, j'en ai parlé aussi, ouais. Ah Donc, oui, mais ça pompe dans les fondations et les ouais. assainissements. Possiblement, ouais, là, si on me le dis, moi je veux bien vous croire. Ça, encore une fois, ça dépend de la topologie de votre habitation et tout, mais ça me paraît très étonnant, quoi. Mais pareil, suivant le volume de feuilles et de branches, quoi. Et on a une question très pratico-pratique, un cas concret de Catherine. Qu'est-ce que tu conseilles comme plante pour une verrière, une façade verrière en plein sud et en jardinière? Bah en fait, ça dépend de tout un tas de choses que j'ai déjà Tu expliquées as évoqué avant, pendant ouais. tout du long. Là, en fait, si vous avez accès à ces slides, n'hésitez pas, en fait, suivant votre région géographique, tout va être mis. Et là, comme ça, admettons que vous habitez à Paris, bien, je mettrai un chèvrefeuille des jardins, une clématite des haies, et puis quelques petits vivaces sympas, le pois de senteur, par exemple. Ouais. Et puis pourquoi pas couplé avec des légumes. Enfin, les possibilités sont nombreuses. Il y avait d'autres questions que j'ai pas partagées, Oui. mais à escient, parce qu'il y a des choses que tu as abordées aussi pendant la formation.
pendant la présentation. Il y avait des questions sur trouver des contacts d'associations sur le territoire français pour aider à construire des chantiers. Je ne sais pas si toi, tu as des contacts du côté dans le sud, puisque là, on nous parlait de Monaco. Mais moi, je vous propose peut-être de vous connecter sur notre plateforme du bénévolat nature. Et j'agis pour la monature.org. Il y a des associations un peu partout en France, et donc peut-être que par ce biais, vous allez trouver un contact intéressant. Mais sinon, nous, on peut creuser la question et revenir vers vous par mail. Il y a peut-être des questions que tu as vues passer, toi, Mathieu, que tu voulais reprendre. Ouais, en 2 secondes, on parle de l'hortensia grimpant qui s'agrippe au mur comme le lierre, c'est vrai, mais du coup, je le répète, on a en France, en plante indigène, que le lierre qui fait ça. L'hortensia grimpant, il vient d'ailleurs. Et pareil, en termes d'interaction avec la faune, c'est pas fou. Voilà. Et dernière petite question de Gwen, assez pratique aussi. Un mur de hangar qui est en métal. J'imagine que c'est pas simple ces murs-là. Donc, est-ce que tu as des tips? Bah là, en fait, après, il ne faut pas forcément chercher à faire de la façade végétalisée pour de la façade végétalisée. S'il y a un hangar et qu'il y a de la place au sol, pourquoi pas partir sur une haie libre, en fait, avec différentes espèces de haies, en fait, donc du poirier sauvage, de l'églantier, de l'aubépine, du prunellier, que sais-je. Il y a plein, plein de trucs dispo sur le web et avec la fondation aussi. Donc, à vous de voir. Moi, je le cacherais plutôt comme ça que de m'embêter à faire pousser des plantes grimpantes dessus, j'avoue. Super. Qu'est-ce que tu penses des argousiers? Que du bien, j'imagine. Les argousiers, bah alors c'est pas un arbuste, c'est pas une plante grimpante, pardon, Non, mais. c'est un arbuste qui pousse sur le pourtour atlantique, si je dis pas de bêtises, voilà ce que j'en pense, hein, il est indigène de chez nous, sur le pourtour Ouais, atlantique. c'est une essence qu'on propose notamment dans les haies, sur les bosquets comestibles, etc. Dans d'autres. Voilà, donc on en pense plutôt que du bien. Alors, dernière question de Florence et après on va libérer Mathieu. Ravalement de façade d'immeuble obligatoire avant de mettre un mur végétal, point d'interrogation. Non. Non, 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 non. Par contre, si effectivement dans 2 ans vous avez un ravalement de façade, bah autant attendre dans 2 ans plus tôt, parce que c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de voir pousser des plantes et de les voir après ensevelies sous une tonne de gravats. Mais non, non, c'est pas forcément nécessaire. Mais encore une fois, c'est à chaque cas un projet différent en fait, donc ça dépend de pas mal de facteurs, hein, je pense. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et plus largement de nous avoir écoutés depuis 5 semaines. C'est le cinquième webinaire aujourd'hui que nous organisons. Vous avez été nombreux, on a des fidèles aussi, donc je les remercie tous d'avoir été là, de leurs encouragements, de leur bienveillance et de leurs questions tout au long de ces semaines. Vous dire que du coup, tous ces webinaires sont à retrouver sur notre playlist YouTube. Donc si vous avez raté quelque chose, elles sont disponibles, vous pouvez tout revoir. N'hésitez pas à vous connecter et à, comme d'habitude, partager. Et puis, j'avais annoncé la semaine dernière peut-être une petite surprise. Donc, du coup, c'est peut-être pas le dernier webinaire et je pense qu'on se retrouvera, restez connectés sur vos mails, avant le printemps pour parler bouturage et peut-être faire des petits ateliers pratiques ensemble. Donc, restez connectés sur vos réseaux. Je serais vraiment ravie de vous y retrouver. En attendant, comme le disait Raphaël, des planteurs volontaires la semaine dernière, on laisse les écrans et on prend pelles et gants. Je vous souhaite à tous un très bel hiver de plantation. N'hésitez pas surtout à nous partager sur les réseaux sociaux ce que vous faites. On sera vraiment heureux de le valoriser. Et puis, de donner un coup de main aux assos de terrain qui ont besoin de vous aussi pour faire avancer tous ces beaux projets. Merci beaucoup à tous et à très vite. Merci Mathieu. Merci tout le monde pour votre attention.